On poursuit avec de la Bibliothèque et Archives nationales, M. Mathieu Laporte, qui pourra nous parler de ce qui se passe à la Bibliothèque Archives nationales du Québec, dont, entre autres, la transformation de la Bibliothèque Saint-Sulpice, qui a amené des grandes transformations, transformer un bâtiment classé patrimonial à une bibliothèque avec des outils Fab Lab, vraiment quelque chose de très intéressant là-dedans. Et entre autres, la présentation de leur outil sur les lignes directrices pour mettre en place un Fab Lab. Et ils nous partagent à travers ça les liens pour leur comment arriver à faire ça. Donc, en fait, quand on a reçu l'invitation là de venir parler là avec vous autres là des Fab Labs, ben on a vu l'opportunité de parler un peu de ce que nous on a vécu parce que on a présumé que quelque part vous allez vous poser des questions similaires à ceux qu'on s'est posées lors du développement. Donc on a trouvé que c'était une belle plateforme là pour vous partager notre vécu là, je dirais. Si on se replace un peu dans le temps, là, BANQ commençait, ou je dirais plutôt le réseau des bibliothèques là, du Québec puis de Montréal, commençait à s'intéresser au Fab Lab un peu après là, que Community a commencé en fait à en parler, puis à organiser des événements pour sensibiliser les gens à ce type d'initiative-là. Quand je vous réfère là, au PowerPoint de Geoffroy, quand il parlait de Fab Lab Nation, on voyait deux dames qui étaient en train de tricoter, qui sont deux dames du réseau des bibliothèques. Donc, on est là, en fait, depuis un certain moment, à réfléchir sur comment ce type d'atelier-là peut s'intégrer dans des lieux comme les bibliothèques, comment aussi mettre en œuvre, opérer des lieux comme ça qui seraient complètement dédiés au grand public. Ce qui amène là, des défis là, au niveau de l'opérationnalisation. Depuis ce moment-là, en fait, il y a toutes sortes d'activités de consultation publique, puis de définitions de grandes lignes qui ont été développées, entre autres là, avec Communautique, avec Espace-Temps aussi, avec plusieurs partenaires externes. Puis, tout ça a mené à l'élaboration du premier Media Lab là, à BANQ, le Square. Par lequel il semblait pertinent d'entrer par le Media Lab pour expérimenter des façons de faire en laboratoire d'expérimentation sans avoir la pression que certaines machines peuvent apporter au développement là, d'initiatives comme ça. Je pense entre autres à une CNC 4 pieds par 8 pieds. C'est pas tout le monde qui peut accueillir ça dans ces organisations. C'est pas tout le monde qui en a plus les ressources là, et humaines et en infrastructure pour accueillir ça. Donc, on s'est dit que quand je dis je n'étais pas à BANQ. a donné naissance à cette initiative-là qui est le Square, dans laquelle le BANQ a développé son approche de médiation qui respectait en fait les grandes visions de la bibliothèque et de son rôle. Qui a développé historiquement et des actions concrètes et d'expérimentation en laboratoire. Le Square évolue depuis déjà 2 ans. On reçoit des groupes, principalement là, des groupes scolaires, je dirais, lundi au vendredi là, de 10 à 15 heures. C'est pas mal, toujours plein de groupes scolaires. Ensuite, on transfère en mode autonome de 14 heures à 22 heures. Puis, c'est assez animé, je dirais. Le succès de ces initiatives-là ont permis de tracer le terrain pour élargir puis aller vers les Fab Labs. BANQ a développé puis a ouvert, là, il y a quelques mois, un Fab Lab pour enfants qui s'appelle la Hutte, que les familles peuvent venir visiter là, à l'espace jeunesse de BANQ Grande Bibliothèque. Donc, un métro Berry-UQAM, qui était une phase, là, je dirais, supérieure là, du développement du concept, là, puis de l'expérimentation des façons de faire. Suite à ça, la Ville de Montréal puis le ministère de la Culture et des Communications ont approché BANQ pour gérer, en fait, ce futur projet de laboratoire-là qui va devenir, en fait, BANQ Saint-Sulpice.
pour spécifier le Bianchi Saint-Sulpice, le hub d'innovation pour tous. Il va y avoir évidemment un espace adolescent à l'intérieur. Par contre, les espaces de création vont être dédiés au grand public. La bibliothèque Saint-Sulpice va se diviser en plusieurs espaces d'innovation. Là. Donc, il va y avoir un Fab Lab, un Media Lab, un Living Lab, puis des espaces de vie. Il va y avoir évidemment un espace de vie pour les adolescents. L'idée, en fait, c'est de les faire transférer là, de l'espace de vie vers l'espace de prototypage de façon organique, là, je dirais. Par contre, tous les espaces de création vont être dédiés à tous, puis on va avoir en fait des activités, puis des événements qui vont pouvoir attirer, je dirais, différents types d'usagers. L'idée de collaboration, puis de partage, de cohabitation de divers usagers, à mon avis, est centrale dans la vie de laboratoire. Puis de dédier un laboratoire à une seule clientèle, c'est un peu contre-productif dans ma tête, parce qu'on vient isoler une clientèle qui n'aura pas de rapport, qui n'aura pas de lien avec les autres. Donc, à mon avis, l'ouverture au grand public, c'est vraiment là que l'innovation, je dirais, grassroots là, du citoyen va émerger par le contact des uns avec les autres, autant du milieu académique que du milieu scientifique. Les designers seront là. Monsieur, madame, tout le monde aussi, les adolescents aussi. Donc, tous ensemble, on va générer un lieu citoyen dont la technologie va être le centre, je dirais, d'accueil, ouais. Là, ou le prétexte dans lequel on se réunit. Donc, Bibliothèque Saint-Sulpice, c'est un édifice, comme que tu disais, un édifice qui est patrimonial. Donc, si vous voulez vous situer, là, c'est sur Saint-Denis. À côté du bar La Saint-Sulpice, pour ceux qui ont étudié à l'UQAM. donc, juste à côté. Donc, le gouvernement a racheté l'édifice là, dans les années 40, créé une bibliothèque dans les années 60, puis a évolué au fil du temps. Là. En 2005, l'édifice est fermé, puis depuis ce moment-là, eh bien, l'édifice là est un peu là laissé pour compte. Juste un instant, s'il vous plaît. Excusez-moi. Donc, en 2016, BNQ a eu le mandat de réhabiliter l'édifice. Puis, juste un instant, s'il vous plaît. On va faire tranquille. Juste 20 minutes, hein, s'il vous plaît. Excusez-moi. Do not disturb. Oui. voici l'édifice, évidemment. Voici l'intérieur, un édifice qui est absolument grandiose, là, derrière lequel va être réaménagé. On voit ici la salle de lecture qui va demeurer en fait une salle là, de lecture. Puis dans les pavillons, si vous fiez là, à la photo à droite vers le bas, l'espace ado là, qui va être développé. La mission qu'on a donnée à Saint-Sulpice, c'est de contribuer au développement de la collectivité montréalaise et québécoise en facilitant la création, le partage des connaissances, l'appropriation des technologies, la naissance de nouvelles idées et la réalisation de projets individuels et collectifs. Donc, une mission très, très large. Qui permet en fait de nous insérer dans une dynamique de découverte là, puis de vie de laboratoire. Une bibliothèque en trois volets, un volet laboratoire de création pour tous, une bibliothèque pour ados et un lieu d'inclusion sociale. Nous en fait, on parle vraiment de laboratoire de création. Tranquillement, on se dirige définitivement vers le concept de Fab Lab par ses ancrages au réseau international. Par contre, pour nous autres, c'était vraiment important de réfléchir sur quel laboratoire nous convenait. Puis pendant un long moment, on voulait pas nécessairement se diriger vers un type de laboratoire parce que, bon, évidemment, quand on s'en va dans les Fab Labs, on arrive dans un écosystème technologique qui est quand même assez précis. Puis c'est vrai, c'est pas toutes les organisations qui peuvent répondre à cet écosystème technologique là, précis. Donc, on voulait ouvrir. Puis, à la fin de tout, on est quand même revenu vers le concept là, de Fab Lab. Un programme, en fait, une offre de service en quatre grands axes. Un volet éducation. Donc, on accueillera les groupes scolaires
ou académique, là, je dirais, là, du secondaire jusqu'à l'université, pour accueillir des projets de découverte là, de Fab Lab dans un contexte là, technologique assez à la fine pointe, je dirais, de ce qui peut s'offrir sur le marché. On va offrir des activités en inclusion sociale. Donc, évidemment, on veut amener les populations vulnérables à découvrir et à s'insérer dans les dynamiques d'innovation. On croit que la bibliothèque a un rôle à jouer à ce niveau-là. Donc, on va mettre en place à la fois un Living Lab et une équipe qui sera située dans la maison du chauffeur de l'édifice qui va accueillir les groupes communautaires, qui va co-développer des projets avec eux. On va peut-être aussi avoir des actions en termes d'innovation sociale et d'entrepreneuriat. On va évidemment accueillir les startups, les entrepreneurs qui veulent venir utiliser et découvrir les machines de fabrication numérique ou multimédia qu'on aura dans la bibliothèque. Donc, je vous montre quelques photos de nos architectes qui nous ont préparé pour vous donner pour vous donner le goût de venir nous voir. Donc, on est à l'entrée là de la bibliothèque Saint-Sulpice dans l'espace citoyen. Donc, c'est évidemment à l'entrée, beaucoup d'espace qui va être dédié à la contemplation là, puis à l'espace de vie. Ça fait partie de la mission là, de notre mission là, d'offrir des espaces comme ceux-là. On va avoir un espace de restauration, un peu comme à l'image de celui de BANQ, Grande Bibliothèque. Des espaces de fabrication avec une mise à... Les espaces de fabrication qui vont être au sous-sol, on peut les voir avec les tables là, en bas. Puis un espace d'observation qui va être sur une mezzanine. Donc, on va pouvoir observer les gens travailler toute la journée, si on peut le faire, vers le fond où ça pointe là, sur salle de groupe. Vers le fond, il va aussi y avoir un jardin dans lequel on va animer des activités culturelles ou techno liées au développement durable puis à l'agriculture urbaine. Première salle de lecture, celle du haut. Donc, on va avoir des boîtes connectées un peu partout dans l'espace dans lequel les gens pourront découvrir différentes technologies comme la réalité virtuelle ou des projets de réalité augmentée. Les salles de prototypage qui seront au sous-sol, avec les machines de fabrication au numérique et les outils multimédia. Le jardin dont je vous parlais, avec une terrasse, une cour laboratoire, puis des boîtes connectées dans lesquelles on va développer des jardins là, techno-communautaires avec les organismes avoisinants. Donc, on peut voir l'édifice là qui est gigantesque en vue de coupe. Donc, on va avoir les installations, le Fab Lab au sous-sol, puis les espaces de travail en haut, là, aux étages supérieurs. Donc, on va avoir, comme je disais, un volet éducatif. On accueille les groupes. L'idée, en fait, c'est d'aider ou donner un vent un peu à tous les secteurs ou à toutes les écoles qui n'auraient peut-être pas les capacités de développer des laboratoires de si grande envergure. Donc, à ce moment-là, je pense que BANQ Saint-Sulpice va pouvoir jouer un rôle de un rôle d'aidant ou de va vous aider, à mon avis, à compléter peut-être vos écosystèmes technologiques, puis développer là, des activités ou des cours là, en collaboration avec cet écosystème technologique-là. Tout ça m'amène à vous parler en fait des lignes directrices sur l'implantation des laboratoires de création. Évidemment, en tant que bibliothèque, on a une mission forte de documenter et d'archiver le développement de ce qu'on fait. Donc, toute la R&D qui est liée au projet va être mise sur un wiki qui va être rendu public par lequel les gens pourront consulter tout le volet, je dirais, théorique dans lequel on se pose les questions, par exemple, sur qu'est-ce qu'un laboratoire de création, comment développer un laboratoire qui répond en fait à nos besoins et à notre image. On va aussi parler beaucoup dans ce guide-là de la spécificité des clientèles adolescentes parce que c'est surtout là qu'on a développé la plus grande expertise, je dirais, au cours des dernières années. Quels sont des facteurs d'importance, par exemple, à considérer?
Et puis ensuite, on va aller vers la pratique. On va vraiment, on va rendre public, en fait, toutes les fiches techniques de tous les équipements qui vont se retrouver à la bibliothèque Bianchus Saint-Sulpice, afin que, ben, en fait, tout le réseau des bibliothèques, des écoles ou peu importe qui puisse avoir une base, en fait, pour discuter ou pour alimenter, en fait, leur réflexion, pour développer leur propre laboratoire de création qui est à leur image. Donc, c'est vraiment, je dirais, le leg de notre expérience. Dans ce wiki-là, il va y avoir de l'espace aussi pour que vous racontiez votre histoire. Puis en fait, notre objectif, c'est que ça soit un outil qui puisse servir à toute la communauté en collaboration avec les organisations là, déjà présentes là, comme Fab Lab Québec. Là. Entre autres, c'est Guillaume Coulombe de Fab Lab Québec là, qui nous aide avec le wiki. Donc, on se parle tous, ça, c'est un petit monde. Puis, je dirais que c'est pas mal ça, l'histoire de ces fameuses lignes directrices-là, puis du projet Saint-Sulpice. On est évidemment ouvert à vous accueillir si vous venez venir visiter, pas Saint-Sulpice, parce que c'est en rénovation, mais le square, puis la hutte en bas, si vous voulez voir un peu qu'est-ce qu'on fait là en termes d'activité multimédia et d'activité de fabrication avec les jeunes. Et voilà. Vous prévoyez l'ouverture pour la bibliothèque Saint-Sulpice pour quand? On prévoit, je dirais pour le moment, on parle beaucoup de septembre 2020. OK. Donc, les rénovations vont commencer dans l'édifice. La définition de l'offre de service va de très bon train. Des équipements qui vont être acquéris, puis qu'on va mettre dans une salle de prototypage au sous-sol de BANQ Grande Bibliothèque, puis qu'on va sortir de temps en temps pour expérimenter nos nouvelles activités avec des gens du milieu, puis avec des usagers. Donc, vous allez entendre parler de nous tranquillement. On fait les choses, là, vraiment, pas à pas. Par contre, on invite, là, toute la communauté à participer au développement de ce qu'on fait, parce que dans le fond, notre rôle, c'est de vous servir. Donc, évidemment, tout au long du développement, là, on va partager qu'est-ce qu'on fait, puis on va vous inviter à collaborer avec nous autres. Je sais qu'il y avait il y a comme un enjeu au sein des bibliothèques, à savoir la formation du personnel. Est-ce que vous avez du personnel dédié aux ateliers de fabrication numérique, ou ça demeure un rôle augmenté des bibliothécaires? Bon, évidemment, quand on parle de rôle du bibliothécaire dans les laboratoires de fabrication, c'est définitivement une préoccupation qui est constante là, dans le développement du projet. Donc, évidemment, on va être appelé à développer des équipes multidisciplinaires, bien sûr. Donc, pour le moment, l'équipe là, qui développe là, puis qui vit le développement du projet là, avec moi. Je dirais qu'on est trois créatifs, deux bibliothécaires. Puis, on vient rejoindre nos forces en soi. Moi, je suis dans le milieu des Fab Labs depuis quand même un certain moment. Là. J'ai coordonné Ecofab pendant les 4 dernières années. Donc, c'est tout nouveau à BANQ. Okay. On rôle à BANQ. Donc, j'ai été instructeur au Fab Academy aussi, donc je vais pouvoir ramener ça pour le réseau là, en soi, là, puis les employés à l'interne. Les bibliothécaires... Donc, Fab Academy. Pardon? Fab Academy qui est l'instance de formation de Fab de MIT, là, de la Fab Foundation. Absolument, oui. Absolument, oui. Puis on va essayer d'amener les bibliothécaires dans notre aventure. Pour le moment, ils répondent très, très bien. Aux besoins. Il faut savoir que les bibliothèques, toutes les écoles de bibliothéconomie sont investies dans les approches de médiation culturelle depuis très, très, très longtemps. On y réfléchit depuis longtemps. Donc, c'est quand même pas nécessairement quelque chose de nouveau. C'est en bibliothèque qu'a commencé la démocratisation de la micro-informatique. Donc, c'est des transformations technologiques, c'est des domaines dans lesquels les bibliothèques ont déjà une expertise, donc on va adapter l'expertise qui est déjà présente chez nos bibliothécaires, puis on va les amener à s'ouvrir à un nouveau monde, je dirais. C'est aussi une capacité de documentation sans précédent.
J'ai jamais écrit autant dans ma vie ou Ouais. documenté ce que je fais. Et il y a vraiment une mission forte de documentation. Donc là, ça va être majeur, à mon avis, l'implication, puis le rôle des bibliothécaires dans le développement des projets. Et vous voyez ça dans un avenir, dans un 5 ans d'ici, comment vous voyez où seront rendues nos bibliothèques avec l'intégration des outils numériques, des Fab Labs, etc. Mais évidemment, je peux pas parler pour tout le réseau des bibliothèques. Je ne peux que parler pour B1N+. Bonne vision. À mon avis, d'ici 5 ans, B1N+ Saint-Sulpice va être un lieu d'ancrage là, citoyen et technologique par sa proximité. Donc, on est à la croisée de tous les chemins à Berry-UQAM. On est avec les écoles, on est avec les groupes communautaires, on est un peu partout. On veut collaborer dans les projets de Fab City aussi. Donc, je veux vraiment que ça va être un lieu de démocratisation de grandes questions liées aux technologies, puis le ramener en fait au niveau des donc, on va avoir, comme je disais, un volet éducatif. On a merci beaucoup, M. Laporte. En fait, c'est très intéressant. Et sans vouloir vous mettre de pression, le prochain laboratoire, les deux prochains, c'est le 12 et le 26 février. Fait que ce sera un très beau moment pour partager votre wiki si c'est disponible. Oui, ben je vois la question. Là, pour quand l'accès au wiki, on prévoit fin février. Bon, enfin, 26, le 26, ce serait une excellente date. Oui. Super, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Parfait. Et maintenant, on se rapproche vers la fin. Donc, ici, la dernière étape, je serais curieux de voir, avant de se rapprocher, il nous reste environ 30 minutes, un petit peu moins si on veut. Et